Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. On est reparti. Plus de Darkest Dungeon avec les brigands à la porte. Donc on a ça, le hameau. On va équiper tout le monde. J'ai dit que j'allais le faire, je l'ai pas fait. On va équiper tout le monde, Alors, j'aime bien ça, mais on va le laisser en premier plan pour pouvoir stun et tout ça s'il a besoin. Donc je pense qu'on va faire le basique. Donc esquive, renvoie les dégâts, résistance d'étourdissement, et après on a champ d'infusion d'étourdissement et du déplacement. Je pense que c'est pas mal. Ou alors, on met ça pour augmenter le crit et la protection. On aurait 11% de crit de base. Je sais pas trop. Après, la chance d'infliger du... Ouais, non, on va garder le... Champ d'infiler d'étourdissement. Non, c'est champ d'infiler d'étourdissement qui est vachement intéressant. Ouais, on va rester comme ça. Alors, pour lui... je pense qu'on va lui mettre la marque, juste au cas où, si ça se passe mal. Critique, dégâts... Ou alors on a un truc mieux. Parce que là, il n'y a que les PV max 15%. Qu'est-ce qu'on a? L'agonie, 20... Dégâts 20% si stress supérieur. On va peut-être mettre ça à la place. C'est un peu du pareil au même, sauf que les plus 20 à l'agonie, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Après, on n'a pas vraiment besoin de grand chose. Déplacement, soin reçu. Résistance au saignement 50%. PV max. Je dirais pas non, comme ça ça permet de spammer un peu le soin. La récupération. Toi il faut que tu soignes un peu mieux. Ah, c'est un boss. Est-ce que c'est pas dangereux, le stress? Si on mettait ça, plutôt, avec le combo, la boîte. À la limite. Ouais. Pour éviter le stress, en fait, l'accumulation du stress. Toi, les trucs pétés. Tourdissement, infection. Esquive, infection. Nickel. Et que lui, je sais pas trop vendu en fait sur ce qu'il a. À la limite, la résistance à l'étourdissement pour éviter d'être étourdi tout simplement. Je sais pas ce qu'il fait, hein, le boss. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Donc, ouais. On a ça, infection, saignement et maladie. Pardon, là. Mais l'esquive est pas mal et vraiment intéressante quand même. On peut mettre ça à la place. On peut mettre ça, comme ça on est protégé contre infection, tout ça. Là. Ouais, je pense que ça peut être pas mal ça. Alors, les habilités. Donc là on a le fameux... Précision en moins, infection, le meilleur. Après, on a l'infection en arrière. Après, on a l'étourdissement. Et après, le soin. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que l'étourdissement devrait pas plutôt prendre l'explosion déroutante à la place? Parce que c'est un boss. Ça, on peut le faire que 3 fois. Et là, on peut le faire en 1, 2, 3. Là, c'est que en 1 et 2 derrière. On va peut-être prendre ça. Pour les boss. C'est sûr qu'on peut se débrouiller sans, hein, mais c'est vrai que là on est à 140%. Genre comme ça. Comme ça, ça me paraît un peu plus intéressant pour les boss.
Surtout que si c'est des brigands, il va peut-être avoir plusieurs brigands. Vous rappelez le... Comment ça s'appelle? Le canon. Le canon. Donc moi, je me base en fait sur ça, sur l'idée qu'il y a un canon, il y a un truc, il va avoir des renforts et tout ça. Donc ça me paraît plus logique. Bon, lui, pas grand-chose à changer. Toi, on va te mettre étourdissement, on va mettre protéger un allié, la riposte. Non, il nous faut ça. Ah, j'aime bien le critique, hein, mais il nous faut ça pour qu'on se marque souvent. Je pense. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on a notre équipe. Let's go. Alors, est-ce que c'est un combat simple ou alors il faut par visiter? On va tout prendre, hein, on va tout prendre, on va pas se faire chier. Très bien. On va prendre ça. Tiens, j'ai envie de prendre les poussières d'éclat. Pour Vanguard, comme ça on peut refaire ça. Ouais, on en prend deux. Même envie de prendre des écailles. Juste au cas où. Ah, je connais pas donc. Oh, fais voir le bruit que ça fait. Marrant. La limite 3. C'est parti! Donc ça, apparemment, c'est un événement d'histoire principale. Enfin, pas de principale, mais dans le jeu principal, quoi. Ouh. Droite ou gauche? Ok, donc il y a des gens à combattre, ça marche. Des gens à combattre. C'est bien la musique. T'as plus que 10 HP. 16. On va stun toi. Great is the weapon that cuts on its own. Moi. Ah, pardon, j'attendais qu'il attaque. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était à lui. Alors fais voir un peu. Ouais, hop, t'es mort. Étourdissement. Hop là. Très bon. On est très bon. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ok, bah on a bien fait de tout prendre. Oh la vache. Donc c'est ça, ça doit être un peu comme le Darkest Dungeon en fait. C'est quoi ça? Halt. De voyageurs contient la carte des environs. D'accord, merci, ça marche pas. Je pense que ça doit être comme le Darkest Dungeon, ça doit être un endroit déjà tout fait, pas aléatoire mais prédéfini. Okay. C'est parti. C'est embêtant ça.
J'ai... Oui, j'en ai pris 4 stress pendant 3 tours. Ça va. Eh oh, t'arrêtes d'esquiver. Non mais sans déconner là, arrêtez de le louper le mec. Foutez de moi ou quoi? Ça fait 3 fois d'affilée. Putain. Chut. On va d'abord les empoisonner. Sans déconner. Voilà, nickel. Continuer avec lui. Résistance. Oh là là. Joli. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. A powerful blow. Mort. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah bah l'équipe est solide. Wow, c'est quoi ça? What? Boîte de crescendo. Boîte de crescendo. Okay. What? Ah, ça tire et tout. Les mecs, ils attaquent vraiment le hameau avec tout ce qu'ils ont, quoi. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où, ces brigands, ça tue? Boîte de vitesse 2, dégâts 15. C'est énorme. Pour 10% de stress, c'est très très bon. Très très bon. On va rester au centre. Pour le moment. On n'est pas là pour ça. Ok, il y a des débris partout. J'espère qu'on a assez de pelles. Of skill and purpose. Mortality clarified in a single strike. Fais un peu attention au stress. Nickel. Tout le monde qui résiste, très bien. A momentary abatement. Ah, j'aurais dû peut-être stun le gros. Ouais. Ah, ça va.
Et en théorie, avec Vanguard, si j'utilise ça, après je peux refaire l'habilité de cette... Je vais y arriver. D'esquive, voilà. D'esquive. Joli. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. As the fiend falls, the faint hope blossoms. Wow. Ah mais c'est des... Oui bah c'est des brigands quoi. Oh la vache. Ah c'est des vrais brigands de brigands hein. Ils ont plein d'argent quoi. In Radiance, may we find victory. Oh. Wolf le brigand. Larguer les bombes, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Wolf le brigand, larguer les bombes. Baril de bombes. Menuiserie. Ah, c'est de la menuiserie. 32 PV, mais ça riposte. Oh, ça explose peut-être. 240 PV. Là, tu peux saigner. D'accord, super. Alors, ah mais putain, mais je voudrais bien faire ça. Attends, je pars comme ça. Nickel. On peut le stun 100%. Ah, ça va être chaud de le stun, quoi. Attrapez-les. Wow! Quoi? Ok, mélangeur. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, déplacement 300%, ah, d'accord. Bon, t'as stun par contre. Temps écoulé. 21. Fou! Ah, il prend des dégâts de sa bombe, ça coûte. Esquive. Ouais, d'accord, ça marche quand même. Ok. Ouais, mais... Je voudrais bien de l'esquive, en fait. Je voudrais bien mon habilité, merde. Il va falloir que je la mette... En fait, faudrait qu'il mette une bombe sur Vanguard ou alors sur... Druel. Oh là là. Ok, on va devoir tuer un peu des ennemis là. Ok. 14. Putain, on va devoir protéger tout le long comme ça. 90% de protection. Après, je peux faire ça. Stop les critiques quoi, putain, les critiques qui foutent la merde sans, pour aucune raison quoi, ça c'est une horreur dans le jeu.
Mais attends, j'ai des trucs moi à mettre. J'ai pas vu les dégâts, c'était très peu je crois. Par contre, on me tue. Faire. Oh merde. On peut continuer, ça fait pas trop de dégâts les bombes. Ça va, ça va. J'aimerais bien en tuer un des deux là en fait. Unnerved. 14 critiques. Larguer des bombes. Oh yes! Nickel, nickel, nickel. Alors. Nickel, let's go. Alors, on peut continuer à le bourriner d'infection. Maintenant, toi, est-ce qu'on t'avait mis infection tout ça? Okay. On va continuer à soigner, je crois. En AOE. Lui, il est quand même très résistant. Hop! Esquive. En moins, très bien. Voilà, maintenant t'es en 2. Si tu peux rester en 2, ça serait vraiment bien. Comme ça, on peut le saigner. Non, j'ai rien dit. Pourquoi faut que tu fasses un crit quoi? Ça c'est vraiment de la merde quand même. Ça c'est vraiment de la merde ce jeu pour ça. Oh là là, ça c'est une catastrophe de incroyable. Is a rarity in the fever pitch of battle. Sans HP. Ah, attendez. Ok, ça fait quoi en fait? Chance de vertu, stress. Et je peux le refaire du coup? Ouais. Hey. Ok. Exposed to 61 critiques. What? Sans déconner quoi. Oh, tu vas m'aider en fait. Tiens. Oh. Oh, oh, oh. Il était beau celui-là.
a été marqué, ça c'est bien. Non, on va pas refaire ça, je crois que ça sert à rien. Par contre... Est-ce qu'on fait... On laisse péter la bombe sur lui, comme ça il peut refaire une attaque. Du coup, on remet ça, mais il va stresser. On va mettre de la riposte. Il va se prendre un critique comme d'hab parce que les bombes apparemment elles ont 80 milliards de pourcents de critique. Ok, ça va. C'est très potable, hein. On est à 83% de coup fatal, 65% d'esquive. Ça aide, hein. Ça aide, hein. Esquive 20%, parce que là on a... Ouais. C'est pas mal. Ok, donc les autres, ils ont pas assez de vitesse. Lui, il est très rapide, donc ça c'est bien. Donc on va continuer... Ah, il protège plus, c'est con. On va continuer là, l'infection, là. Alors maintenant, on a plus ça. C'est embêtant. Et il faut le soigner, parce que Hérald, elle est un peu lente. Yes, yes, yes. Protège-le, comme ça je peux taper en 3. Protection pour elle. Soin pour lui. Très bien. Temps écoulé, boum, 19, c'est contre à 7. Tu te prends aussi encore des dégâts. Larguer la bombe, le prochain tour tu bouges, t'es mort. Et let's go. Et merde. Chier, j'aurais dû soigner en fait. Voilà, c'est bon. Ouh! C'est quoi ça? C'est de la merde. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Pas mal. Oh, c'est vachement bien les poussières des classes. C'est vachement bien. Bon, par contre, c'est à double tranchant. Hein. Parce que le machin... Oh, en plus, ça reste tout le long. Oh, d'accord. Oui, c'est quête. C'est pas combat, c'est quête. D'accord. D'accord, ça reste tout le long. Ça marche. Ah, j'avais aussi les écailles d'Égypte. J'ai complètement oublié. Oh là là, quel débile. Quel débile. Est-ce qu'on peut se balader un peu? On se balade un peu. Oula, 2. Alors, il y a intérêt que ça soit une récompense de fou. Hein. Si c'est une entourloupe, une embuscade et que ça se passe mal, je vais... De toute façon, il n'y a personne qui est stressé encore, donc ça va. Ah, oh, je devrais changer mon... Attends. Parce que j'ai pas envie de... Ça, étourdissement x2. Voilà, c'est mieux. Parce qu'en final, ça n'a pas été utile. C'est à moi ça? Les choses précipitent dans vos... Quoi?
anneau de concentration. Crit. The light, the promise of safety. Ok. On en a déjà un, ça? Je crois. Ah oui, comme ça. Oui, c'est pour ça qu'il avait écrit notre ancêtre. D'accord. On va aller là, à droite. Notre ancêtre, oui, parce que ça, c'est comme dans le Darkest Dungeon, là, où il y avait des documents, là. Pas des documents, un porte-documents. On va se balader un peu. Par contre, si on a... Oui, on a plus de... On a plus de pelles. C'est un problème, ça. The match is struck. A blazing star is born. Très bien. Il va nous faire stresser notre vanguard. Soigne à mort. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Bah, c'était la première fois qu'on utilisait les poussières d'éclat, c'est vraiment cool. Vraiment sympathique. The will to fight falters. Bien. Il était sympa le combat. J'ai beaucoup aimé. Ah. J'ai beaucoup aimé. C'est remis des HP au moins. Oh, on a une pelle. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Pelle. La torche, on va garder un stack de torches. Et on enlève les écailles d'Égide. De toute façon, c'est absorber une attaque. Pour l'instant, ça va. Si c'est que des ennemis normaux, on devrait pas avoir de problème. Ah, une absorption restante. Genre si on l'utilise maintenant, est-ce que ça reste ou pas? Ça serait intéressant, ça aussi. Oh. Après, je crois qu'on m'avait dit... Si jamais j'ai tous les... Ah, super. Si j'ai tous les objets de l'ancien... Eh merde. Je peux pas... je récupérerai pas de nouveau, en fait. Ça commence, ça fout de la merde. Duruel a très très bien fonctionné. Hein. Duruel était vraiment cool dans le combat. Très contente de Ruel. On avait un tank différent en fait. Oh waouh! C'est quoi ces merdes? Enfin ouais, t'as zéro de protection de base. C'est pour ça qu'il y a aussi l'autre babiole qui fait 10 de protection. J'avoue que c'est intéressant. Mais ça on verra plus tard. Mais bref, on avait tank en protection et tank en chair en fait. Dans un sens, c'est marrant.
Dans le sens où... Dans le sens où il réduisait les dégâts qu'il prenait avec les bombes, mais lui en fait il se re-soignait et tout ça par-dessus, c'est sympa. Je trouvais ça assez sympa. Par contre, les bombes, elles étaient un peu pétées pour pas faire de jeu de mots. Ou on prenait critique sur critique, quand même. Je trouve ça légèrement trop. Jouer. Si là on a rien, honnêtement, je crois qu'on peut partir. Yeah, il nous a laissé full soigner là. Pas mal. The bigger the beast, the greater the glory. Il y a du sang. Abandonné par l'ancêtre. Gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Je crois qu'on aurait un autre sac à ouvrir. Je pense. Genre là. Mais on n'a pas assez de pelles. Je suis sûr qu'il va y avoir encore plein de débris. Si jamais il y a trop de débris, on se casse. Parce que là, on va avoir Nestine aussi. Qui est en stress. Donc, puis ouais, il y a aussi Druel qui va sûrement être en stress aussi. Très bien. Infection en plus. Très bonne équipe, hein, très solide cette équipe. Hein. C'est un peu mon équipe par défaut quand je connais pas où je vais. Ouais, quand je sais pas ce qu'on va faire, que c'est tout nouveau et que, tout, et que ça risque d'être difficile, genre boss et tout, que je connais pas du tout, je prends cette équipe et on va dire que ça se passe quand même vachement bien. Donc, faut l'avouer. Ça se passe superbement bien. Ah, c'était difficile, hein, le coup des bombes, là. Après, j'ai pas compris le coup du sac de bombes, en fait, qui renvoie des attaques. Genre, j'imagine qu'en gros, il voulait faire comme si ça faisait une explosion à chaque fois. Peut-être. Et après, si on détruit le sac de bombes, est-ce que le mec il devient fou ou ça arrête Pourquoi tu as attaqué seul la paix peut nous faire survivre. Ouais, d'accord.
Ou alors, ça stoppe ses attaques, en fait. J'imagine que ça doit stopper ses attaques. Des attaques de bombes, hein, évidemment. Ok. Ouais, mais ça va pas être le seul, on est d'accord. Alors, donne-moi des pelles. Quoi ça ? Je vais faire comment ça avec toi. Tap tap, cavanou ici. Ah merde. Ah c'est bon, on se casse. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. J'ai pas envie d'aller parce qu'en plus on a les objets de l'ancêtre, donc c'est pas besoin de forcer le truc, hein, c'est pas grave. Par contre on a gagné un peu d'argent, je crois quand même. Ça va, un petit 10k. Et on a récupéré ça. Bon, bah ça c'est intéressant pour les gens avec de la marque. Mais, enfin... Non, on peut le mettre à n'importe qui, mais... une équipe marque, quoi. Alors... chance pour tout coup manquer de toucher. Waouh. Ça tue. Of sunlight, a beacon of golden hope. Wow. Ce temps agréable est un changement bienvenu, particulièrement pour ceux qui profitent d'une période de convalescence. Les activités de réduction du stress sont plus efficaces, pardon. Alors, t'es sérieux? T'as perdu le masque d'immunité. Je m'en fous, hein, ça t'appartenait. Hein. Le masque d'immunité, si je dis pas de conneries, c'est le masque pour les lépreux. T'es sérieux? On s'est fait chier. Incroyable. Un truc en or, quoi. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi dire, moi. Est-ce qu'on lui enlèverait un truc? Alors là, toi, t'as pour... tout coup manqué de toucher. Change pour tout coup manqué de toucher. Destin tracé. Nous, on a l'art de dégainer, donc vitesse 4 au premier tour. On a prodige, soin reçu augmenté. Et après, on a casse-cou. Alors, on a vu que là, je pense que c'était vachement intéressant pour le combat. Quand c'est un peu difficile, casse-cou. Genre, quand il a peu d'HP, il se prend 15 d'esquive. C'est énorme, je pense. Le fait de pouvoir le soigner plus facilement. Et après, la vitesse. La vitesse, c'est intéressant au premier tour parce que ça nous permet de faire ça. Donc, j'ai pas trop envie de changer plus que ça. Après, destin tracé peut être très intéressant aussi. Mais je pense pas que je vais changer. Je crois pas que l'autre il est paumé à une relique aussi aussi rare, quoi. Incroyable. Attendez, on va d'abord les enlever de l'équipe. Je crois qu'il faut qu'ils se reposent un peu tous là. Alors, Vanguard. Faudrait pas les mettre là, en fait. Faut les mettre à l'église.
méditer. Ouais, Emerald Herald, tu pourras te reposer tranquillement. Giant Dad aussi, on est bon. Ah, comment gâcher le fait qu'on ait fait un boss et tout. On rentre au hameau et il y a le con qui a paumé le masque, quoi. Giant Dad, sérieux. An increasing stockpile of curious trinkets gathered from forbidden places. Je sais pas quoi dire, moi. Incroyable ce truc. Alors, moi je vais faire une petite pause et je vais décider ce qu'on fait. On n'a plus vraiment grand chose à faire. On a sauvé le hameau. Là, on a la ferme avec le moulin. On va pas faire de ça parce que c'est chiant. On peut aller à la chasse de la bête. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des objets intéressants ? Ah, le miroir, je l'ai pas, je crois. Non ? Si ? Fisseur de sang, j'en ai fait un tourisme. Ça, c'est la vertu. Les furies. Très rare. Max 40% 6 malédictions pour dépérissement. Ouais. On peut peut-être aller récupérer du sang la prochaine fois. Et prendre des gens qui sont encore 3-4. Comme ça, on les monte de niveau. Ouais, on va faire ça peut-être la prochaine fois. Sauf si je pense à autre chose. Mais il nous faut une invite aussi. Hein. Qu'on aille farmer des trucs. Des endroits, en fait. Ouais. On récupère une invite. On va s'arrêter là pour le moment. Bah, c'était cool. C'était cool. Le boss est sympa. Le boss est très sympa. Le boss était très sympa. Avec le côté avec les bombes. Là, c'était, ça rappelait le prophète. Le prophète, il faisait un peu pareil. Donc c'était vraiment cool. Vanguard, du coup, bah, il a très très bien fonctionné. Mais les bombes font extrêmement mal. Hein. Même sur Vanguard, ça fait extrêmement mal. Oh la vache. Pourtant, il avait protection genre 60 ou 90%. C'était incroyable, quoi. Mais ouais. Après les éclats, là, ça a été vraiment cool. Ça permet de refaire l'habilité. Donc on avait esquive 20%, avec stress 20% aussi en moins. Ça, c'est cool. On pourrait même en avoir un 2 de... Enfin, là, après, Yavangard, il était vraiment très occupé parce qu'il devait protéger à chaque tour, plus faire son attaque. Mais bon, après, ça s'est bien goupillé quand on a eu la bombe sur nous directement. Enfin, sur Vanguard directement. Comme ça, il a pu faire son buff. Non, c'est vraiment bien déroulé. C'était cool. C'est vraiment sympa. Bon, petite pause. Je continue un peu plus tard. Enfin, je raccorderai ça. Je pense qu'on va aller récupérer du sang. Juste au cas où. Par contre, c'est quoi le bâtiment qui donne du sang tout le temps, là? Parce que ça, à la limite, j'ai envie de le faire. C'est ça. Putain, mais j'en ai pas, quoi. Il m'en faut 80. Je vais voir un peu. Si je peux, genre, convertir ça. Ouais, d'accord. 28. Mouais. Enfin, on verra ça plus tard encore. À la prochaine. Ciao.